Salut Vigile, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Greg on s'en fout. T'as pas honte? Motif de rupture. Rupture amicale parce que on précise, tout le monde pense qu'on est un couple. Non. Alors que bon. Alors que bon. Le collier de perles au final. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans un décor habituel. Parce qu'en fait, on est dans la maison de vacances de Greg. On va vous faire un petit house tour parce que c'est vraiment... incroyable. Magnifique. Du coup, on se retrouve pour un house tour de la maison de Greg Zinnertz. Vous allez kiffer, vous allez voir. On va vous montrer plus intéressant. Bienvenue dans la demeure au final. De Greg Zinnertz. Regardez, s'il vous plaît, la piscine. C'est clairement là où on passe toutes nos journées. Voilà, on a les petits dauphins. Léane et Maëlle, toujours collés l'un derrière l'autre au final. Vu qu'on est dans le thème de TikTok. Voilà, sur le thème de TikTok. On a ici des petites transats. Voilà, là on a Lilou et Greg qui sont toujours posés ici. Voilà, on a toujours ma serviette d'ailleurs. Des palmiers parce que ça fait toujours tout, toute la déco. Et du coup, voilà la vue de la maison. Hein. Donc voilà, c'est là où on est depuis une semaine, c'est vraiment génial. Bon bref, on va passer à la vidéo, au vif du sujet. On se retrouve tout de suite. Gros bisous sur vos fesses. Alors en fait, on a eu un petit concept, enfin qui existe déjà, mais voilà, qu'on voulait faire du coup aujourd'hui. On va faire un jeune follow. J'embrasse pour une soirée. J'embrasse pour une soirée. Je marie. Voilà. Spécial. TikTokers. Okay. Enfin, on a pris nos pour toi et dès qu'il y avait des TikTokers qui passaient, on les écrivait sur un papier. Et donc là, on a un petit bol rempli de TikTokers. Et on va piocher chacun notre tour trois papiers et on devra dire dans ces trois TikTokers qui on a une follow, qui on pécho pour une soirée et qui on marie. Donc voilà, c'est parti. Commence. Vas-y, je commence. Tu fermes les yeux. Close your eyes. Et t'en as fait tomber un upstairs. Bon, au pire, un TikToker en moins. Ah non, mais pioche d'abord les trois. Non, vas-y. Shams Eden. J'ai fait tomber le papier? Je crois pas. Oh non, mais moi je voulais l'avoir, Shams. C'est moi qui l'ai en perte. Lou Pernod. Ok. Et. Pitchy. Ok, alors. Là, je sais qui je marie Shams. Et ensuite. Tu donnes pas d'argument? Bah, celui que je connais le mieux, et en vrai. C'est... Le mieux. En fait, c'est ton pote. Ah ouais, c'est mon poteau, genre. Celui de. Enfin, le TikTok que je regarde le plus au final. Je vais. Pff, oh, c'est dur! Donc là t'hésites entre Lou Pernod et Pitchy. Ouais, bah je pense que je vais unfollow Pitchy. Oh, drama. Et je vais pêcher Lou. Parce que j'ai pas de raison. Pitchy, genre je la connais vraiment de loin. Genre vraiment de très très loin. Tu regardes pas trop? Je regarde pas du tout. Ok. Et Lou Pernod, bah... T'aimes bien. Ouais. Elle a l'air gentille et tout. Voilà. No drama, on aime tout le monde. On aime tout le monde. En tout cas, tous les TikTokers qu'on a mis dans le bol, on les kiffe au final. Donc, Enfin, en fait, juste y'a personne qu'on aime pas. Vraiment. On est drama free. Tiens, je te rappelle. Pardon. Merci. Je suis le long. Mais oui, long à la détente. Long à la détente. Alors, Ophénia. Cupidon. Cupidon. Pique-moi l'autre personne, s'il te plaît. Trouve-lui quelqu'un. Parce que... Paola. Et Raphaël Curon. Oups, c'est grave. Ok, alors, je vais unfollow Raphaël Curon parce qu'il fait plus de vidéos. On peut plus se divertir. On le voit plus trop, c'est vrai. Voilà. Et après... Non, en vrai, j'en sais rien parce que Ophénia, je la connais personnellement et je l'aime trop. Et Paola, elle est incroyable. En vrai, après, c'est que du positif. Hein. Les deux, oui. Je pense que je vais. Je dis, Marie, celle que tu connais le mieux. J'avoue. Et tu pécho la personne que tu. Je vais pécho Paola pour une soirée et je vais marier Ophénia. Cupidon. Pique-nous. Oula. Ouais, on va parler. Je veux pas que ça s'envole parce qu'on va pas polluer la planète. Faites attention à la planète. Vraiment. Vraiment. Les pingouins. Tout, en fait. Faut faire attention. Trier le verre et le plastique. Voilà, mettez pas 10 ans dans vos douches. Voilà, on économise l'eau au final. Voilà. L'eau, c'est fait pour boire. Charlie D'Amelio. Cette reine. Vraiment la reine de TikTok. Je n'ai jamais regardé un seul de ces TikToks-là, en dessous. Noolito. Et Jessim. Okay, en vrai, je pense que bah, jeune follow Charlie, elle a assez d'abonnés comme ça c'est au final. Bon, en fait, elle s'en rendra même pas compte. Voilà, on la voit même pas dans nos pour toi, donc pardon. Je vais marier Noolito. Parce qu'il est drôle. Son chien, il est mignon. C'est vrai, son chien. Il a une maison, il a un chien, donc moi je fonce. En fait, je marie Noolito et je pécho Jessim. Pour une soirée. Pour une soirée. Parce qu'il est vachement beau. C'est vrai, la dynamique. J'adore ce jeu. J'adore aussi. Il est très sympathique, très divertissant parce que là on savait pas trop quoi faire notre fin de journée. On a assez bronzé. J'espère que ça se voit quand même. En même temps, ça se voit de ouf. Je suis un peu jaloux, mais bon. Mais bon, on n'a pas fini, on n'est pas au maximum de notre bronzage. On est encore demain. Demain toute la journée, sous le soleil. Pourquoi j'ai les yeux, je suis en train de fermer les yeux aussi. Pierre Panchaud. Ah, reine. Je ferme les yeux, meuf. Lucas. Oh, mais...
vérité, je les aime trop. Ok. Et Lena Situation. Ah, oh, c'est compliqué là. Bon, bah non, mais moi je sais, je vais unfollow Lena Situation parce que je la connais pas personnellement. Même si elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vais pécho Pierre Pinchot pour une soirée que j'aime trop, qui est trop gentil. Incroyable, c'est vrai. Et Luca, ma vie d'Aloca, hein. Je vais marier Luca. Hein. De toute façon, c'est prévu. T'as eu de la chance, je t'avais les meilleurs là. Ouais, j'ai tout eu. Les trois, t'es bête. Non, on fait vite, on est Léa et lui. Ouais, on est très rapide, en fait on veut pas que vous vous ennuyez. C'est kiff, on kiffe. C'est kiff, on kiffe. Litane Kotaz. Donc là, il y a Léa et lui, Litane Kotaz et Sandy Ju. Ils sont bien aussi. Ouais. Alors, je unfollow Litane Kotaz. Pareil, en fait, ça doit faire genre un an et demi, je l'ai pas vu sur TikTok. C'est vrai. Je vais marier Sandy Jules. La chance. Et je vais pécho Léa, parce que c'est une reine. Ok. Voilà. C'est un peu final. Efficace. Efficace. Alors, Alizé YT. Putain, t'as les meilleurs. Je dis déjà, je la marie en fait, peu importe qui y a. Putain, t'as les meilleurs. Je l'ai aimé. Bovina, Shana. Oh. Non, bah, on va faire un trouble, je suis désolée. Je peux pas choisir. Je vais faire un trouble en fait. Je pensais. Tu sais même pas qui t'as ? Ah, c'est Shana. Non, mais c'est Shana. Alizé, Shana. Et Léane et Maëlle. J'avais juste écrit Léane, du coup je. Léane Bartz. Je crois que ça. Alors, Léane, je vais la pécho pour une soirée. Et Shana et Alizé, je vais les marier. Je suis désolée. C'est un peu de la triche. J'ai triché. On a le droit à un joker. Ok, on aura un joker. Donc, moi j'ai utilisé mon joker. Je ne vais pas choisir. Après, je vais me faire tuer, trucider. T'as les meilleurs, j'ai le seul. On fait un troupe de toute façon. C'est pas fini. C'est pas fini. Rose Lucie. Grâce à elle, je prends soin de ma peau. Thomas Goldberg, je ne sais pas qui c'est. Mais si tu sais qui c'est, tu m'as dit tout à l'heure que tu l'aimais trop. C'est le mec qui a joué dans Mère et Fille. Ah oui, ok, oui, oui. Bon, sa tête, mais. Thomas Lucille, alors. Ah, moi, je l'aurais marié. Alors, je vais. Je vais unfollow Rose Lucie, je suis désolée, mais je sais pas qui tu es. Je vais l'initier parce que c'est important d'avoir Rose aussi. Il faut, tout le monde doit être abonné. Juste après cette vidéo, je la follow. Oui, juste après, je la follow. Alors, je pense que je vais marier Thomas Lucille parce qu'elle est vraiment incroyablement belle. Elle est vraiment très très jolie. Et je vais pécho Thomas Goldberg pour une soirée. Qu'on adore aussi. Qui est très beau aussi au final. On a que des BG en fait. Oui. Mais en fait, TikTok, il y a que des BG. Ouais, il y a que des BG sur TikTok. J'ai un peu. À moi. Ok. Alors, Diego Ferrez. Joanne Babs. Babs. Et. Lil Spadi. Alors, je vais unfollow Lil Spadi parce que je regarde pas trop ses TikTok. Je vais pécho Diego Ferrez pour une soirée. Je pense pas qu'il voudra me pécho, mais. Mais si, okay. Et je vais marier Joanne Babs. Joanne Babs aussi, je l'adore. En même temps, qui ne le marie pas? Grave. Victor. Star. Ça, j'en ai pioché deux d'un coup. Arminio. Et. Maëlle. Alors, je vais. Je vais marier Victor. Ma vie. J'ai marié Tristan. Tu l'as déjà vu? Je l'ai vu une fois à la For Unite. À la For Unite. Et. Incroyable. Franchement, il est archi sympa. Du peu que je l'ai vu. En vrai, Maël, je le suis pas du tout et je vois pas plus que ça. Donc je pense que je vais pécho Arminio pour une soirée et je vais unfollow Maël vu que je le follow pas déjà. Donc voilà. Ok. Donc, voilà. Très bien. Sullivan. Poppy. Et. Oh non, la chance. Je tombe que sur les meilleurs. Félicie. Ok, bah déjà je vais marier Félicie parce qu'elle est incroyablement drôle et moi j'ai besoin de quelqu'un qui me fait rire dans ma vie. Elle est incroyable. Elle est vraiment très très drôle. Je vais. C'est trop dur. Je les aime trop les deux, Sullivan et Poppy. En fait, Sullivan c'est toute mon enfance. Vraiment. Donc ce sera un peu un aboutissement pour moi si je le pécho à une soirée. Et Poppy, bah. Je vais t'unfollow, mais c'est pas grave, tu passeras quand même dans mes pour toi. Donc voilà. Attends, t'as fait quoi là? T'as unfollow Poppy, t'as embrassé Sullivan. Et j'ai marié Félicie. Ok, ok. Bah oui, bah parce que je voulais pécho Sullivan une fois dans ma vie. C'était quand même la personne que je regardais le plus sur YouTube à l'époque. Ah, mais Poppy, c'est quand même la reine de TikTok. Léna Vivas, que je ne connais pas. Mais si, elle a une frange. Et Willard. Et Bilal Hassani. Alors, je vais me marier avec Bilal. Ah, ça m'étonne qui ici? Personne. C'est ce que je connais le plus, que je follow et tout, donc voilà. Bah, je vais unfollow Léna Vivas, vu que je ne l'unfollow pas de base. Donc, comme ça, bah voilà. Et je vais pécho P. Willard pour une soirée. Ok. Ça me ferait une petite transition sympa. Petite transition sympa. Une petite transition sympa sur TikTok et puis ça part. Voilà. Simple et efficace. Ok. Alors. J'en ai deux d'un coup. Nickel. Ra
Bibi. Et le petit Costa. Si la marie pas, je te fais la gueule. Sandy. Alors là, je sais pas du tout quoi faire. J'ai qui déjà? Rabibi. Elodie Costa. Ok, bah je vais marier Elodie Costa parce que c'est Elodie quand même. Vraiment. Elle est hilarante. Je vais pécho Sandy parce qu'elle me fait rire aussi et qu'elle est vraiment belle. Et Rabibi, je vais l'unfollow parce que je le follow déjà. Bon, c'est un peu efficace aussi au final. Ouais. On est mais doué à ce jeu, je trouve. Mais vraiment, on est très. On est mais efficace au final. Mais si, mais Rabibi, je le suivais avant. Michou. Douvina, Ayam Biliz. Alors, bah, je vais marier Douvina. Je l'adore. Ma vie. Elle est incroyable. Elle est trop sympa. Il reste Michou et Ayam Biliz. Alors, je pense que je vais pécho Michou pour une soirée. Parce qu'il est. Voilà, désolé, comment s'appelle sa meuf? Elsa. Ouais. Désolé, Elsa, mais voilà, je pécho Michou pour une soirée. Et je ne follow Ayam Biliz. Parce que pareil, je la follow pas, je crois. Ah ouais? Je crois, et du coup, bah voilà. Il en reste 3. Bah c'est moi qui finis. Alors, il nous reste Provenciaga. Ah, t'as vraiment les meilleurs, je suis désolée. Inox Tag et OG. Ah c'est dur. My God. Bah déjà je viens de follow Inox Tag, je suis désolée, mais c'est celui que je regarde le moins. OG, elle est waouh. Les Provence, elle est waouh aussi. Provence est waouh aussi. Et Provence, je la connais. Un petit peu, je lui ai déjà parlé vite fait. Mais genre, tu maries la personne que tu connais et le mieux. Et du coup, je pense que je vais pécho OG pour une soirée. Voilà, aboutissement de ma vie aussi. Voilà, clairement. Et je vais. Sors de ma. Je vais. Ouais, vraiment, on a saigné ces chansons à OG. OG, mais j'adore, mais ces sons, ils sont incroyables. Voilà, et Provence, du coup, un peu ma vie d'Aloca, je vais me marier avec. Je pense que j'aurais fait pareil. Ouais, elle est incroyable, Provence en plus. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Donc voilà, franchement, j'ai eu les meilleurs papiers, je suis un petit peu. Et oui, t'as eu les meilleurs. J'ai marié que des personnes incroyables. T'as eu Luca. Il y a des papiers qui s'envolent. La planète. La planète. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a kiffé vraiment un concept qu'on va sûrement refaire. J'ai adoré, mais on va refaire en fait. On peut faire avec des acteurs, on peut faire avec des chanteurs, on peut faire avec. Même TikTok partie 2 en fait. TikTok partie 2. Il y a grave plein de TikTokers. Ah ouais, un petit moment. Vous savez qu'il y en avait plein, on s'est dit, mais en fait, on en a déjà trop. Dans 5 minutes, on a écrit tous ces gens. Du coup, voilà, dites-nous si vous voulez une partie 2, avec quelle catégorie. Je vous dis un truc, j'ai pas trop envie que Greg revienne sur ma chaîne. Du coup, si vous je le prends trop mal. Si vous pouviez dire non, non, je rigole. Si dites que vous voulez me revoir en fait, comme ça elle m'a invité, comme ça je redébarque. Parce que vous m'aimez au final. Bon, si ils kiffent, on kiffe. Si vous kiffez Greg, on kiffe. Du coup, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, toujours. Vous abonner, activer la cloche aussi pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. On revient en force. Et voilà, vous pouvez aussi venir nous suivre sur nos Insta. Et si vous avez envie de nous parler, nos DM sont ouverts. Et voilà, on fait plein de gros bisous. On vous aime. On vous love.